Bonjour. Mes 12 questions reçoivent aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Franck-Joseph Vincent. Alors peut-être que si j'enlève un prénom, ça va vous dire plus. Je dis Francky Vincent, tout de suite vous voyez qui c'est. C'est l'auteur de nombreux titres à succès, dont Alice Saglis, Fou de la Passion. Donc, Francky Vincent, bonsoir, bonjour. Ben bonjour, je suis très heureux d'être en Martinique. Hein. C'est mon île d'adoption. Alors justement, voilà, donc, l'actualité... forcément, je suis bien dans ma peau ici. L'actualité de Francky, le conjoint de la Martinique, pourquoi faire? Ben, je joins l'utile à l'agréable. Ça fait un petit bout de temps, enfin un bout de temps, ça fait pas très longtemps on était ici. Mais cette fois-ci, c'est pour quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire pour la célébration. Je suis en train de préparer la célébration de mes 50 ans de carrière. On va fêter d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine, on va voir. Et c'est vrai qu'on a dû faire des rencontres clés, comme on dit, les bonnes personnes surtout. Donc nous sommes en repérage aussi. Et là, on est bien parce qu'on rencontre effectivement les bonnes personnes. Et là, il y a un bel enthousiasme qui se manifeste au demeurant. Ce sera quelque chose de grandiose avec plein d'invités. Ah, forcément. Forcément, ce sera un feu d'artifice avant le feu d'artifice, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Déjà, j'aurais aimé que tu me tutoies. Je sais que tu vois tous tes invités, mais ça fait 100 ans qu'on se connaît, non? Parfait, il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Alors, la question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Moi, je suis ouvert à toutes les questions et tu me poses la question que tu veux et puis moi, je réponds. Hein. Eh oui, c'est clair. Alors, on va aller dans... Tu as réalisé beaucoup de CD, on a dit plus de 170 titres. Hein. J'ai près de 200 titres à la SACEM. 200 titres maintenant, voilà. À la SACEM. Donc, tu as généré beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Tu as beaucoup d'argent? J'ai bien gagné ma vie et c'est pas fini. Mais c'est vrai que je suis auteur, compositeur, interprète. Donc je gagne en tant qu'auteur, je gagne en tant que compositeur. Et comme je m'affiche partout et je fais beaucoup de prestations, donc je gagne très 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 bien ma vie, oui. On peut ajouter que Francky, c'est le nouveau châtelain de la France, parce que je crois savoir que tu as acheté un château. Oui, j'ai acheté un château et puis un domaine, carrément un domaine. Hein. Donc, à partir de là, pour celui qui a un certain nombre d'années de carrière, c'est, je ne sais pas si c'est un accomplissement, mais bon, ça demeure un de mes rêves réalisés. Un jour, tu as dit que tu es un poète en dessous de la ceinture. Tu assumes? Je l'assume, et j'ai fait que l'assumer. J'ai toujours assumé ce que je chante, assumé le créneau que j'ai choisi, et assumé ma gouaille, ma verve... Et ma coquinerie. Ça ne crée pas quand même des tensions, des ennemis, des gens qui ne sont pas d'accord? Comment on gère tout ça en tant qu'artiste? On gère tout ça parce qu'à un certain moment, avec l'âge... Mais prenons pas avec l'âge. Bon, je au dirais début, pas. Au début, c'était difficile à gérer? Ben oui, au départ, oui. Au départ, c'est, au début, oui. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes pour me faire admettre. Mm-hmm. Et puis, même aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à admettre que j'ai du succès, par exemple, tout simplement. Ouais. Ça s'est vu avec la remise de la Légion d'honneur? Non, ce n'est pas la Légion d'honneur. Il faut faire attention. C'est une distinction. Déjà, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, c'est une distinction. Mmh. Et la Légion d'honneur, c'est plutôt... c'est encore autre chose. Mmh. Voilà. Mais au moment de cette remise de médaille, il y a eu des gens qui étaient opposés. Ben, la remise de la médaille, ça serait tardé parce qu'on a sollicité la ministre de la Culture de l'époque, mais en fin de compte, ça a été décalé parce que voilà. Et maintenant, on a une nouvelle ministre qui s'appelle Rachida Dati, donc on va se rapprocher d'elle pour qu'elle me remette justement cette médaille. À part l'actualité où Francky est en Martinique, comment se passe une journée type pour Francky maintenant qui... Tu vis où d'abord? Ben, tu es en Guadeloupe? Ma femme et moi vivons en France, vivons dans le nord, au nord de la France, et à 1h15 de Roissy, au nord. Et puis nous menons une vie de châtelain, mais pas comme tous les châtelains en fin de compte.
On est souvent en voyage et tout, quoi. Mmh. Donc, quel est le dernier pays que tu as visité? Le dernier pays qu'on a visité? La Guadeloupe. À part la Guadeloupe, allez. La Martinique aussi, on pourrait ajouter, mais... Le dernier pays, où on était? Je pense que c'est l'Angola, non? Ah, Tunisie, Tunisie. D'accord. Voilà, le dernier pays qu'on a visité, c'est la Tunisie, et ça date de trois mois déjà. Tu as déjà chanté dans ce pays? Tunisie, non. Oui. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Pourquoi? Pardon? Pourquoi tu aimerais bien... Oui, j'aimerais bien, parce que moi, je pense que les Tunisiens sont très proches. C'est un pays francophone, mm-hmm. et ils sont très proches des Français. Et comme je chante en français, forcément, ils vont me comprendre. Après, bon, il y a quand même... beaucoup de musulmans là-bas, je ne sais pas s'ils vont vraiment applaudir toutes mes chansons coquines, mais je sais qu'il y a quand même des gens là-bas qui sont très, très ouverts quoi, par rapport à ça. On a lu, et puis j'ai entendu aussi à une époque parler des déboires de Francky, disait que tu avais acheté un restaurant. Déboires. Oui, tu avais acheté un restaurant et que tu avais rencontré d'énormes difficultés. Est-ce que c'est vrai ou c'est une intox? Oui, mais il y a une chanson, il y a même une chanson qui parle de ma déconfiture. Mm-hmm. C'est vraiment le cas de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai voulu faire quelque chose de festif, restaurant, bar ambiance, karaoké, et on peut danser jusqu'à 5 heures du matin. J'avais cette chance d'avoir cette autorisation au niveau préfectoral, et j'ai pu profiter pendant, allez, même pas 4 mois, quoi. Après 4 mois, il y a eu tellement de choses qui m'ont déplu dans mon établissement que j'ai dû raccrocher. J'ai dû laisser tomber parce que j'ai fini par être conscient qu'effectivement, je n'étais pas fait pour ça. J'étais fait pour chanter scéniquement, point barre, ou faire niveau business dans mon métier, mais surtout pas la restauration. Moi, je me vois bien aller au restaurant d'un ami, m'asseoir, manger. Et voilà, je préfère, c'est clair. Alors, à part le bitaco, hein, quel est ton meilleur souvenir de scène? En Martinique? Non. Faut préciser en Martinique. Non. Ah. Non. On ne se limite pas. Il y en a plein. Alors, un parmi les meilleurs, alors. Il y a une période, les années 80, il y a une période où je faisais des prestations dans 2 discothèques en Martinique, surtout, au Club des Îles, qui est devenu le Starion après, et au Bitaco. Tu vois, je suis tenu de revenir à... Donc c'était une bonne période. À mes fondamentaux, comme on dit. La période du Bitaco. Les fondamentaux sont là, c'est-à-dire que c'est les 2 discothèques où... Bon, je passais aux Zips, je passais à d'autres... Mais les 2 c'est où j'avais l'impression que la Martinique m'avait adopté et qu'il y avait un engouement pour tout ce que je faisais, une belle attention, et que les Martiniquais étaient vraiment séduits par mon œuvre. Si tu n'avais pas été chanteur, musicien, tu aurais fait quoi comme métier? Tu aurais aimé faire quoi? Ben, je pense que je serais dans un truc... je serais déjà polyglotte. Et polyglotte, ça veut dire que ça m'aurait plu effectivement de travailler à l'office du tourisme et être quelqu'un qui fait de sorte que... Enfin, d'être un vendeur, vendre la Guadeloupe, mon île natale. Je ne ferais que ça toute l'année, vendre la Guadeloupe. Évidemment, je m'entourerais de gens archi-compétents en la matière. Mais malheureusement... Mais le tourisme, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vendre mon île à des gens qui... Parce que vendre mon île, vendre les îles d'une manière générale, c'est vendre du bonheur, vendre du rêve. Voilà, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu dis que tu voudrais t'entourer de gens compétents. Ben, pas en 2 mots. Hein. Ah, zut, j'ai cru... Pas des cons qui pètent. J'ai cru que c'était... comment Francky fait pour être inspiré, pour composer un morceau? Comment ça se passe? C'est l'histoire de plusieurs jours, de plusieurs mois. L'inspiration vient n'importe où. Je peux conduire, taper sur le volant, trouver une mélodie et faire de sorte de ne surtout pas oublier la mélodie. Et donc, voilà, j'enregistre comme ça. Et puis, quand j'arrive à la maison, je développe. Mais c'est vrai que je peux être aux toilettes aussi. Aux toilettes, j'ai une idée qui me semble lumineuse. Mais
Tu en as eu beaucoup? Si je suis célibataire à ce moment-là, je vais vite prendre ma guitare en pleine nuit à 3h du matin et plaquer les accords et trouver la mélodie. Bon, si ma doudou fait dodo, je ne vais pas l'embêter avec ça. Donc, je fais de sorte de l'enregistrer en vocal comme ça, vite fait. Et comme ça, j'ai le repère escompté et après, je développe. Et tu travailles seul le titre ou bien tu as d'autres... Non, je travaille. Au départ, c'est moi qui fais tout, en fin de compte. Hein. Je trouve la mélodie, tout de suite, je prends ma guitare et pendant que je plaque les accords, j'écris le texte. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur la jeune génération? Il y a en Guadeloupe, par exemple, à Miralti, quels sont tes rapports avec ils sont dans. Tu sais, la jeune génération, déjà, ne fait rien pour faire de sorte que le zouk demeure, et voilà. Et en fin de compte, ils sont plutôt autre chose que du zouk. Ils ne veulent pas faire la musique que leurs parents écoutaient quand ils étaient gamins. Ouais. Ils veulent faire quelque chose de nouveau, ils veulent être novateurs, ils veulent innover. Et je le vis avec mon fils qui a 18 ans. Mmh. Il ne veut surtout pas faire la même musique que son papa. Donc, quand il dit qu'il ne veut pas faire la même musique, c'est parce qu'il ne veut pas faire des musiques cochonnes, c'est ça? Non, il ne veut pas faire le style que j'ai au niveau rythmique et tout ça, c'est-à-dire le zouk. Voilà. Ben oui, mais et au niveau texte, il ne veut pas. C'est sûr qu'il fait des textes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. C'est clair. C'est sûr. Il faut respecter son choix. Alors, il y a un artiste que tu aimes à travers le monde, il y a un que tu aimais rencontrer? Ah, à une certaine époque, c'était Michael Jackson, parce que je suis fan de chez fan de chez fan. J'aurais aimé faire une photo avec lui pour la postérité. Il y a aussi Bob Marley. Il y a un biopic en ce moment. Et puis il y a Marc Anthony, un chanteur portoricain. Et dès qu'il chante, je me dis, mais je devrais chanter comme ce mec-là. Quoi. Il a une voix d'or, quoi. C'est du diamant, c'est un joyau, quoi. Donc, à partir de là, moi, quand je l'attends, je l'entends, quand il chante, je fonds, quoi. Et au niveau des femmes? Et au niveau des femmes, chanteuses? Oui. Moi, il y a une voix que j'aimais beaucoup, c'est la fille qui avait chanté avec le groupe Fugees, qui avait chanté « Killing Me Softly With This Song ». Yeah. Ouais. J'ai beaucoup aimé la voix de cette fille qui a eu un enfant ou deux enfants avec un fils marié. Ouais, j'oublie son... Je l'ai au bout de la langue, mais j'arrive pas à dire son nom. On peut faire un peu de critique, on peut dire quel morceau, par exemple, que tu as entendu ces derniers temps, tu dis, mais on n'aurait pas dû faire ça. Est-ce qu'il y a un titre qui t'a... Dans le bouillon, il y a des chansons qui sont gratuitement vulgaires et que je ne saurais cautionner. Il n'y a pas de texte, en fin de compte. Il n'y a que des mots... on chante la dépravation. Le sexe est beau. Pourquoi faut-il l'enlaidir comme ça? Moi, j'ai tout fait pour que le sexe soit beau et que le sexe pétille avec humour et tout ça. Et tu as aujourd'hui des gens qui font du bouillon et qui massacrent le sexe carrément, quoi. C'est la première fois que j'emploie cette expression. Ils massacrent le sexe. Le sexe est beau. Oui, je veux te croire. Je réponds, je suis inspiré aujourd'hui. Pendant le carnaval, justement, concernant le sexe est beau, pendant le carnaval, il y a eu une grosse polémique avec le groupe Vim. Ah oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que le sexe est beau. Oui. Et le groupe Vim a plutôt tendance à enlaidir le sexe. Mais est-ce que le carnaval, justement, c'est pas ce moment où tout est permis? Pourquoi faut-il faire une critique sur... Tout est permis, certes. Mais bon, à un certain moment, il faut... Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout était permis et ça passait comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même si tu dis, tu as des jeunes de 12-13 ans qui vont écouter ça. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as accès au groupe qui défile, tu as accès à leur tenue, archivulgaire. Et tu as accès à ce qu'ils chantent. Et que ce qu'ils chantent, quand c'était une personne... Tu sais, une personne... Par exemple, David Martial, un vieux de la vieille, il a chanté « Ravette Modé Chounanana », si je ne m'abuse, hein, c'est oui, bien c'est ça? C'est ça, oui. Hein? « Ravette Modé Chounanana ». Mais il a dit « Choun ». Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il a fait de sorte que ce soit un peu plus souple, mais ça reste vulgaire quand même.
Mais aujourd'hui, tu avais un chanteur qui chantait ça. Tu avais un autre chanteur comme Frankie Vincent qui faisait carrière en chantant des chansons coquines. Mais aujourd'hui, tu as un groupe avec 1000 personnes qui défilent. Et dans, au sein du groupe, tu as 3 ou 4 chansons comme ça chantées par le groupe et qui sont que des chansons. Tout juste si on dit pas, ou veille, moi, mettez Adam, quoi. Ouais. Mais c'est la nouvelle génération, c'est... Ah oui, mais moi, je ne peux pas... Alors, d'aucuns penseraient que, vu tout ce que j'ai chanté, je devrais normalement être plus tolérant. À mon avis, mais... Bon, d'autres penseraient que j'ai 4 garçons, je n'ai pas de fille, donc je devrais même ne pas m'intéresser à ça vraiment et ne pas me formaliser. Mais en fin de compte, je me dis, si j'avais des filles, j'aurais pas aimé voir à la télé une de mes filles chanter, en train de défiler au sein d'un groupe qui chante, et chanter ça. Ça m'aurait dérangé, complètement, voire choqué. Je comprends. Voilà. Frankie, tu as dit que ta discographie a à peu près de 200 titres. Hein? Oui. Quel est le titre que tu préfères? Ça, c'est la question bateau, ça. Hein? Oui, on pose souvent cette question-là. J'ai pas de question sur moi. C'est Aka Maman. C'est une chanson qui fait l'unanimité ici. Vous êtes Kaï Maman. Le titre, c'est Aka Maman, en créole guadeloupéen. Et c'est une chanson c'est une chanson intemporelle. Et plus que jamais, on va la chanter à chaque fête des mères. Donc, respect. Ouais. Et quel est le titre que tu as pris? Tu regrettes un petit peu d'avoir composé? Ah non, non. Je regrette rien, moi. Même en regardant... Ah non, je ne regrette rien au niveau de ma œuvre, il n'y a rien. J'aurais pu regretter d'avoir chanté, par exemple, la chanson du restaurant. Ouais. Mais non, je suis content d'avoir chanté ça, moi. Funky, c'est quelqu'un des buts de sa personne qui pense qu'il est supérieur... Supérieur? Aux autres... Bon, j'avais un chien qui s'appelait Supérieur, il est mort l'année dernière. Hein, c'est comme je dis avec ma belle philosophie. Dire que je me... Non, je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Au contraire, je suis un mec simple. J'ai même ma femme qui me reproche d'être trop simple, trop... voilà, excuse-moi, quoi. Oui, mais il faut quand même avouer qu'avec une chemise aussi belle, on ne peut pas être simple. Oui, c'est vrai que, bon, j'aime les belles choses. Donc, et grâce à ma femme, j'apprends à mieux les apprécier. Non, mais pour être sérieux quelquefois, quand on a une œuvre de 200 titres, on peut se dire, bon, celle-là, j'aurais pas dû la faire. Non, j'aurais pu la faire différemment. J'aurais pas dû, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Tout est parfait. J'assume. Quand tu assumes, il n'y a pas de j'aurais pas dû. Parfait. je suis pris au dépourvu, on me battu. Parce que, oui, j'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus d'humilité en disant, oui, il y a un titre que je... Ah, non, je suis... j'ai fait spontané. Tu sais, quelqu'un qui est spontané, en fin de compte, il fait ce qu'il y a à faire et il ne se pose pas de questions et il ne se posera jamais de questions. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir? Alors, je crois, ce que tu voudrais me dire, est-ce qu'il y a de l'autosatisfaction? Oui, toujours. L'autosatisfaction tourne autour de moi et je m'en imprègne, oui, voilà. Ça t'a valu quelques ennemis, ça? Cette position-là t'a valu quelques ennemis? Ah, bon, on a toujours des ennemis, même quand on est bon et qu'on est bien, on a quand même des ennemis, que veux-tu, hein? C'est même paradoxal, hein? Il y a des gens qui sont gentils et on a envie de les emmerder, de les agacer et tout le reste. Donc, oui, j'ai des ennemis, mais des ennemis vite fait, quoi, on va dire. Sans importance. Ouais. J'insiste, pour tout à l'heure, je t'ai posé la question concernant quel était ton souvenir de scène le plus marquant. Tu m'as parlé du Bitaco, de la Guadeloupe, cette période antillaise. Mais en dehors des Antilles, est-ce qu'il y a une scène que tu passais, sur laquelle je passais et tu en gardes de bons souvenirs et tu... J'ai une scène d'une prestation que j'ai faite. Je ne me souviens pas si c'est à Basse-Pointe. Et ça, puis c'est en Martinique encore? Oui, c'est en Martinique. J'ai fait venir une fille scéniquement et puis j'ai dansé collé serré avec elle et tout ça. Et sa mère n'était pas contente. Sa mère est montée et lui a balancé des coups de poing carrément sur la scène devant moi. Donc j'étais choqué. J'étais en sidération. Donc je n'ai pas réagi tout de suite. Il y a un mec de la sécurité qui a réagi pour ceinturer la maman et tout ça. Je me dis, mais comment... Mais à quel moment un mec de la sécurité va venir ceinturer quelqu'un qui agresse quelqu'un sur la scène et que cette personne soit la mère de la personne agressée? Ça m'avait choqué, ouais. Tu as voyagé en Europe? Tu as fait des prestations en Europe?
Je fais beaucoup de prestations en Europe, oui. Et là, il n'y a pas surtout eu, en France, il n'y a pas une prestation qui t'a marqué, qui t'a... Non. Non, il n'y a rien du tout. C'était livré, vendu, aller au point, oui, à la oui, maison. Oui, oui, oui. Mais tu sais, je suis vendeur de rêves, hein. Ouais. Marchand de bonheur, forcément, quand les gens qui viennent généralement me voir, ils sont prêts, hein, ils sont prêts. Et même j'ai vu ça en chantant à des campings, j'ai vu des familles qui étaient avec leurs enfants, les enfants étaient prêts aussi, hein. J'ai trouvé ça bizarre par contre. Par exemple, quand on écoute le titre Antimaco. Antimaco, oui. C'est un règlement de compte là. Francky, c'est quelqu'un qui règle ses comptes. Oui, elle est criante de vérité, cette chanson. Hein. Francky, on ne peut pas cracher dessus. En Mako, c'est en danger. Deux Makos sont catastrophes. Trois Makos sont cataclysmes. Quatre Makos, c'est en fin du monde. Mais il y a de l'humour aussi. Oui, heureusement. Mais oui. Ça aide à passer la pilule. Mais oui. Mais Francky a utilisé beaucoup la chanson pour régler ses comptes. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai été le premier à faire dans le clash. Il n'y avait pas encore les rappeurs aujourd'hui. Je clashais déjà des artistes. J'ai clashé feu Jacob Desvarieux. Mm-hmm. Paix à son âme, mais je l'ai clashé quand même. Qu'est-ce que tu lui reprochais? Hein? Qu'est-ce que tu lui reprochais? La chanson au top dans le ghetto, écoute le texte, tu verras. Tu comprendras. Allez, j'ai clashé aussi Luc Léandri. Je l'ai clashé. Qu'est-ce que tu lui reprochais? Ah, je m'en souviens plus, mais écoute le texte, l'équilic est en temps plan, tu sauras. C'est tout simplement parce que les gens qui nous regardent... Eh bien, ils vont sur YouTube, ils tapent l'équilic est en temps plan et ils tapent au top dans le ghetto. Ils sauront ce que je reproche à ces deux messieurs. D'Antimaco, tu parles déjà de l'équilic, non? Non. Non? Non. Ah, j'étais le premier. Moi, j'ai pas la langue dans la poche et puis j'appelle un chat, comme j'appelle une chatte aussi. Hein. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer? Un jeune qui voudrait se lancer? Je le vis déjà avec mon fils. Alors j'essaie d'être un précieux conseil avec lui, mais il a sa tête, il est comme son père, hein. Et il a ses envies, il a ses choix, ou son choix, ou ses choix. Et donc je suis un petit peu démuni par rapport à ça, quoi. Donc, alors tu me dirais que je me vois plus conseiller d'être précieux conseil pour quelqu'un qui n'est pas mon fils, que voilà, c'est très spécial. Hein. C'est compliqué. Les enfants de célébrités ne sont pas forcément réceptifs à ce que dirait leur père ou leurs parents. Hein. Ils sont dans leur tête, quoi. Tu as évoqué cette famille. Donc, tu as combien de garçons, combien de filles, combien d'enfants? Quatre garçons. Oui. Tu ne pouvais pas faire de filles? Mais j'ai fait de sorte de ne pas avoir de filles. Pourquoi? Parce que les filles, c'est tout droit. Et garçon, c'est comme ça. C'est de travers? Ouais. Donc, ils sont tous de travers, les garçons. C'est ça que tous les Martiniquais qui regardent là sont en train de rigoler. Oui, parce qu'il faut rigoler. Faut qu'ils aiment l'humour. Hein? Ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré, c'est Dieudonné de loin. Hein. Dieudonné, c'est The Boss. C'est génial. Ouais. Laisse tomber, les autres sont bien gentils. Il y en a d'autres que j'aime bien. Hein. Eboué, Gijol. Ouais, mais je remarquais. La plupart des super humoristes sont plutôt les Renois, quoi. Les Noirs, les Blacks. Ouais, hein. Ouais. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et Dieudonné, bien sûr, c'est notre niveau. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que les artistes ne font rien pour les générations montantes. Il n'y a pas de transmission, ça s'appelle. Voilà, ils disent... C'est compliqué, tu as vu, les jeunes, ils détiennent... Il y en a même qui détiennent... Ils ont la prétention de détenir la vérité. Ouais. Moi, quand j'ai débuté, je n'avais pas la prétention de dire que j'étais le meilleur. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je suis le meilleur de tous les temps. Au niveau de artistique antillais. Mais aujourd'hui, tu as des mecs qui commencent et qui ont déjà une tête grosse comme ça et qui se la pètent et qui même, quand ils me croisent, ils me snobent. Hein. Mm-hmm. Et snobent tonton Francky, quoi. Mais oui. Mais ils ont peut-être raison. Non, je pense que j'ai toujours respecté mes aînés dans ce métier. Surtout mes aînés qui faisaient de la musique et tout ça. Je les ai toujours respectés. Et ce que je leur demande, c'est beaucoup de respect. Voilà. Quand on écoute aujourd'hui la discographie, hein, quand on écoute la radio, on voit la télé, il y a beaucoup de reprises. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Les jeunes n'ont pas de, de,
ne savent plus crier. Ils ne... Même les artistes qui sont installés, vous savez, je disais ça encore récemment, parce que des fois, je discute avec ma femme et je parle de musique. Ah, ça vous arrive de discuter avec votre femme? J'aime bien le foutage de gueule. Je croyais que c'était « fais ce que je dis et pas ce que je pense ». C'était quoi la question? Parce que là, la question, c'est le fait qu'il y a beaucoup de reprises aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a beaucoup de reprises. Oui, certes, mais moi, ce que je constate surtout en amont, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, on sent qu'ils ne sont pas musiciens, en fin de compte. Mm-hmm. Alors, ils n'arrivent pas à pondre, j'emploie ce terme, ils n'arrivent pas à pondre une superbe mélodie et qui sera un hit ou une chanson indémodable ou des trucs comme ça. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est éphémère, en fin de compte. C'est éphémère. Et parce qu'ils ne sont pas musiciens, ils n'ont pas de musicalité en eux. Et ce qui se passe, c'est que... Et puis c'est formaté, c'est très formaté aussi. Donc ils se ressemblent tous. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui... Je ne trouve pas ça captivant et séduisant, c'est clair. Mais il y a quand même de belles choses. Oui, de temps en temps, il y a un truc comme ça qui pourrait sortir de l'ordinaire. Mais bon, sans plus, des fois. Sans plus. Il y a aussi des polémiques concernant le zouk, la place du zouk, puis la musique africaine, par exemple. Où est-ce que Francky Vincent situe ses choix, sa préférence? Le zouk? Je ne sais pas. Aujourd'hui le zouk pur et dur... regardez, il y a un Africain aujourd'hui qui est nigérian, qui s'appelle Rema, qui fait une musique... On entend tout ce qui est rimshot, là. Oui. Tec, 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 tec. C'est zouk. Et sa musique derrière, sa rythmique, est très dépouillée. C'est-à-dire, on entend une nappe, comme ça. Et puis, deux petites notes qui traînent comme ça. Ça et là. Et le mec a fait un gros tube, là. Qui a fait le tour du monde, carrément. Oui. Donc, c'est incroyable. Il y a une magie. Et... Mais le zouk, aujourd'hui, a besoin encore d'être davantage métissé, en fin de compte. Voilà. C'est une musique déjà métissée, mais qui gagnerait à être davantage métissée. Est-ce qu'on n'a pas l'image de l'eau, de la goutte d'eau? Est-ce qu'à force de la métisser, qu'elle va se diluer, Trop de métissage tue le métissage, c'est ça que tu voudrais dire. Je ne pense pas. Il faut bien savoir amener les choses. Il faut savoir amener... C'est quand on prend la chanson « Fruit de la passion », j'ai bien amené cette chanson. Hein. Écoute de A à Z cette chanson. C'est pour ça que ça, c'est un tube interplanétaire à vie. Mm-hmm. Et les chansons comme ça, je ne connais pas beaucoup d'artistes qui peuvent se targuer de dire « Voilà, j'ai une chanson... » j'ai une chanson qui pourrait faire le tour du monde et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui fait que la sauce prend quand on crée un titre, qu'on compose quelque chose? Parce qu'on ne sait pas comment le public va réagir quand on crée, au départ. Moi, quand j'ai fait cette chanson, j'avais une chanson Alice Saglis. Pour moi, c'était Alice Saglis, le tube. Et pour moi, c'était Alice Saglis qui allait plaire aux métropolitains. Parce que les métropolitains n'aiment pas les trucs lents, les trucs... voilà, ils aiment bien les trucs très rapides. Et quand j'ai sorti Alice Saglis, je me suis dit, c'est Alice Saglis, ça va être un tube, mais laisse tomber, quoi. Et en fin de compte, la maison de disques, il y avait un Antillais qui était directeur artistique, qui est né en France, Claude Smaël, je vais citer son nom. Et c'est lui qui m'a dit, moi, je sens beaucoup plus Fruit de la passion, Francky. Hein, parce que la mélodie, elle est captivante. Et là, je suis rentré à la maison, je l'ai écouté encore une fois, je me suis dit, ouais, il a peut-être raison. Et là, il a fait de sorte de consulter la maison de disques qui s'appelle Arcade, qui est une maison hollandaise qui s'implantait en France. Et il a dit à la maison, je veux 300 000 euros pour faire la promo de cette chanson-là. Donc, on a balancé beaucoup de pubs à la télé et tout ça. Et ça coûte cher, la pub. Les spots télé de 20 secondes pour un album, ça coûte très, très cher. Et c'est de là que je suis arrivé. J'ai pu être disque d'or, disque de platine. Voilà. La Compagnie Créole, ça t'inspire? La Compagnie Créole? Oui. Tu connais la Compagnie Créole? Oui, absolument. Ça t'inspire? La Compagnie Créole, ils étaient sous l'influence d'un Belge et d'un autre un métropolitain pour tout ce qui est paroles et musique. Donc forcément, on sent qu'eux, il y a du rythme,
mais un rythme plus ou moins... ils n'ont pas copié le zouk, en fin de compte. Ils ont fait un rythme pour plaire aux métropolitains. Oui. Ils n'ont pas tort. Si et en marche. Fin de compte, ils ont trouvé la bonne alchimie, la bonne... Comment on dit ça encore en chimie? Alchimie, c'est bien ça, la bonne... Ouais, la ouais. Et là, à partir de là, ça a fonctionné chez les métropolitains. Certes, mais les mélodies... Qui c'est qui ne connaît pas une mélodie de la compagnie créole? Qui c'est qui n'a pas fredonné... Vite fait, après une mélodie de la compagnie créole. Quand tu entends une chanson comme « Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort de France, ce soir on est à la télé », la mélodie est super belle. Donc tu peux dire comme c'est bon pour le moral, c'est trop, voilà, c'est trop franco-français et tout ça, mais à un certain moment, quand tu arrives à une telle chanson comme la chanson de Noël et tout ça, tu peux dire, bon, ben bravo la compagnie créole, tu ne peux qu'applaudir. D'accord. Tu les as rencontrés, ces musiciens? Oui, je les ai croisés, je les ai croisés. Vous n'êtes pas amis, quoi. Croisés. On arrive à se faire des amis dans le milieu du... Oh, c'est une bonne question, ça. J'adore cette question. Ben, se faire des amis, amis, c'est quoi? Pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un que tu peux partir en vacances avec, les yeux fermés. D'accord. Après, si tu ne peux pas partir en vacances avec lui, les yeux fermés... c'est que tu vas discuter avec lui autour d'un verre, les yeux ouverts. D'accord. Voilà. Donc, Francky n'a pas beaucoup d'amis? Oui, j'ai des amis, mais voilà, quoi. Des amis que je vois... Le problème, c'est que, paradoxalement, les vrais amis, ben, on les voit très rarement. Rarement, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, de ton entourage, tu dis « mon frère », tu dis « c'est mon frère ». Ben, il faudrait que je... Frère, j'ai pas d'amis frères. Hein. Déjà, mon frère déjà n'était pas tellement mon frère déjà. D'accord. Pourquoi tu dis ça? C'est lui-même qui le disait. D'accord. Il me disait, tu es une célébrité et tout. Bon, je suis ton frère, mais bon, voilà quoi. Il me disait qu'il était mon frère vite fait. C'est une belle formule hein. Pour raconter les espoirs de ton père. Voilà, mais bon, j'ai des gens, je vais les appeler, ils vont faire de sorte de me donner une réponse tout de suite et de me satisfaire. Donc à partir de là, si c'est quelqu'un qui est dans le bon sens, quelqu'un qui est bienveillant et quelqu'un qui a le souci premier de se donner et de donner le meilleur, on peut à ce moment-là dire que c'est un ami. Alors... Est-ce que ça coule les rues? Non. Est-ce que j'ai peut-être un ou deux amis? Oui. Oui, je pourrais le dire. Je ne vais pas les citer. Pourquoi? Ce sont des amis, on peut les citer? Non, ça va. Ils sont très discrets. En ils vont se reconnaître. Ils sont très discrets et ils vont se reconnaître si on regarde la télé, là, si on regarde l'interview. Et papa? Francky Vincent, c'est un bon papa? Ah ben, j'ai jamais... Je ne peux pas être un bon papa sachant... Pour dire le qualificatif bon papa, il faut déjà que tu vives avec tes enfants pendant un certain nombre d'années, que tu les vois grandir, évoluer, et que tu sois là pour exercer ton autorité paternelle. Et ce n'est pas mon cas. Donc à partir de là, si vous demandez à mes fils si je suis un bon papa, peut-être le dernier va le dire. Mathis, ouais. Mais les trois autres, non. Donc, là, je suis... Curtis, peut-être un peu moins, mais je suis rejeté par deux d'entre eux. Rejeté grave, quoi. D'accord. Parce que j'étais pas là. Ça fait mal? J'étais pas là. Oui, mais je l'ai bien cherché. Hein. J'ai quitté leur mère, ils avaient 4 ans, 5 ans. Après, ils ont grandi. C'est les mères qui ont fait le nécessaire. Et je remercie les mamans. Merci, bravo, quel talent. Mais oui, mais moi, je n'étais pas là. Je me donnais à ce métier-là et j'ai fait une fixation sur cette passion je ne regrette rien, en fin de compte. Je ne regrette pas, moi. Je ne regrette pas. Tu es comme une Julio. Hein? Tu es comme Julio Iglesias. Tu n'as pas changé, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ça, c'est Edith Piaf, par contre. Oui, je ne regrette ça, rien. Non, de rien. Je suis surpris, par exemple, quand tu détériores l'image du père, alors que par le passé,
Les pères n'étaient pas aussi présents dans les familles. Hein, et donc, la maman, il y avait, la maman était mais là. Mais nous sommes dans une société. Elle donnait l'image. Elle disait, ton papa, elle nommait le nom du père, sans que le père soit présent. Pourquoi aujourd'hui, ça ne peut pas moi, se passer comme vécu, ça? Moi, j'ai vécu une époque. J'ai 68 ans cette année. J'aurai 68 ans le 18 avril. J'ai vécu une époque où nous étions dans une société matriarcale. Hein. Mm-hmm. C'était maman. Hein. Oui. C'est toujours le père allait bosser. Mais et c'était maman, la maman était à la maison. La maman disait, les papas qui rentrent. Oui. Moi, quand elle dit ça, papa au bord. Oui. Mais des fois, tu avais des pères qui effectivement, quand ils rentraient, ils exerçaient leur autorité paternelle. Mmh. Et il y en a d'autres qui buvaient des verres et qui s'en fichaient. Mmh. Ils disaient, mais occupez, fais le nécessaire. Moi, je travaille. Je ramène des sous à la maison, donc toi tu fais de sorte de les éduquer, et moi je te regarde faire. T'as des hommes comme ça aussi qui se dédouanaient aussi. Voilà. Revenons un peu à l'objet de la présence en Martinique. Tu as dit que c'est pour préparer un spectacle, quelque chose comme ça, quoi, qui va tourner autour d'un spectacle, d'un show. Non, c'est pas un spectacle que je prépare. Je prépare la célébration de mes 50 ans de carrière. Ouais. C'est quelque chose de très prestigieux, hein, qu'on veut faire. Hein. J'ai un certain âge. Ça sera quoi? Je ça peux sera pas comment, fêter. Comment on va je peux ça, pas. C'est pas fêter. Fêter, c'est même ordinaire par rapport à ça. On va célébrer ça, d'accord. C'est-à-dire quand il y a célébration, forcément. Eh bien, il faut qu'on puisse faire quelque chose de prestigieux. Il y a déjà tous les gens, mes collaborateurs à ce niveau-là, dans leur tête déjà, il y a déjà un feu d'artifice par rapport à ça. C'est super, alors. Donc, ah oui. On peut avoir quelques petites précisions? Ce sera au stade de Dillon, par exemple? Ah non. Bon, évidemment, je ne vais pas annoncer, parce que hier, nous étions un grand rendez-vous par rapport à ça, un rendez-vous au top de la topicitude, comme je dis, wow. Où nous avons il y a des vraiment, mots que je ne comprends pas, mais bon, c'est bien. Nous c'est avons discuté à bâton rompu de cet événement. Et cet événement, moi qui suis un peu mégalo, eh bien, je vais être à l'honneur, mais grave de chez grave. On me verra partout, on m'entendra partout, et on entendra mes chansons partout pour mieux célébrer ça. Qu'il sera plus un one-man show ou bien avec des amis? Ah non, là, ce sera du live avec des musiciens, des danseuses. Ah oui, attention, ça va être quelque chose de... Mémorable. On aura l'impression que c'est exactement... Comment s'appelle cet événement qu'on fait aux États-Unis? Il y a Rihanna qui a fait ça. Le match, là, le oui, le truc... Boyle, là. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Oui. Le bol, il y a bol dedans. Et on a vu Dr. Dre et comment s'appelle l'autre là? Jay-Z. Dog. Il y a Dog dans son nom. Snoopy Dog. On a vu Rihanna. Michael Jackson l'avait fait aussi. Donc c'est ces gens-là qu'on va voir en Martinique, hein, non, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça à la sauce martiniquaise, bien sûr. Ouais. Mais il y aura un village carrément, le village Franqui, avec beaucoup de visuels, beaucoup de... on verra mes anciens albums, on me verra plus jeune, on me verra bébé, on me verra... Je serai partout... dans cette commune que je ne sais pas pour le moment parce qu'on attend de boucler tout ça vraiment comme il faut pour commencer à promouvoir cet événement. Voilà. Une célébration en deux temps, une fois en Martinique, une fois en Guadeloupe, ou bien c'est uniquement la partie martiniquaise va... Pour le moment, preneur la Martinique. La Martinique est preneuse. Donc à partir de là, moi je chante partout, hein, tout le monde. Je vais où je suis sollicité, mais quand je dis sollicité, de A à Z. Mmh. Voilà. Parfait. Donc, est-ce que je vais commencer par la Martinique ou je commence... Je ne sais pas. Mais par contre, je sais qu'en Martinique, il y a un endroit bien précis où je vais célébrer ça. Et là, il y a un grand enthousiasme qui au demeurant, me rassure. Est-ce que Franqui vide ses rentes ou il est en train de préparer un album à venir? Je prépare un album, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. L'industrie du disque est en péril.
Tu as 10 artistes en France qui sont sollicités par les labels et les maisons de disques. Et au-delà de ça, bon j'ai pris pour les gens des maisons de disques, j'ai pris un coup de vieux. Donc, ou bien ils disent qu'il a fait fruit de la passion et il est fini. Alors que j'ai encore 2-3 chansons qui peuvent fonctionner. Hein. Ouais. On a l'impression que c'était plus facile à réaliser auparavant un album que maintenant ? Ah non, mais maintenant, ce sont les plateformes, hein, Spotify, Deezer, ceci, cela. Les gens achètent un morceau, les gens n'achètent plus un album. Parce que autrefois, les gens achetaient un album et il n'y avait qu'une chanson qui leur plaisait vraiment. Mmh. Et ils avaient l'impression qu'ils avaient payé ça 10 euros ou 15 euros et qu'ils avaient perdu 14 euros des 15 euros qu'ils ont payés. Mmh. Parce qu'il n'y avait qu'un titre qui était vraiment bien. Aujourd'hui, tu as une sélection de titres qui est là et tu choisis le titre que tu préfères. Et pourquoi Foin qui ne fait pas la même chose ? Tu l'achètes. Tu payes le titre. Pourquoi tu ne fais pas la même chose ? Pourquoi tu ne composes pas un titre et tu le mets à... Ah ouais, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va faire de sorte que je puisse mettre sur des plateformes mes nouvelles chansons et que ces chansons-là, que je puisse toucher 100% de ces chansons. Et puis voilà, quoi. C'est un projet à long terme ou bien l'année prochaine, cette année quand... Ben là, ça me trotte dans la tête, oui. Avant, on disait la vie artiste raide. On peut dire ça toujours, maintenant ? Oui, pour ceux qui débutent, là, oui. Oui, c'est très dur. Pourquoi ? Mais c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a... Non, mais moi, j'ai vécu une époque où c'est... Alors, je vais être honnête, moi, c'était pas compliqué comme aujourd'hui. Hein. Et j'ai fait de sorte d'effacer les problèmes et d'avoir que des solutions par rapport à ma carrière. Hein. Après, c'est des gens qui m'amenaient des problèmes et que je devais faire face... Et franchir certaines barrières et éviter de me tirer une balle dans le pied et de toujours sourire à la vie et de montrer, d'afficher mon optimisme, ma détermination, mon abnégation. Eh oui, mais aujourd'hui, t'as des gens, t'as des mecs qui viennent de débuter, ils sont déjà losers, quoi. Ouais. Alors que moi, j'ai toujours été winner, 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 plus que jamais. Tu sais, je cite mon prénom dans mes chansons, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. Mais c'est ça que les artistes devraient faire, c'est se vendre comme ça. Il faut toujours se vendre. Voilà, et il faut savoir le faire, c'est un métier de se vendre. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Almirati, c'est un compatriote guadeloupéen. De ? J'ai parlé d'Almirati. Almirati, oui. Hein, donc, c'est un compatriote. Oui. J'aimerais parler, on peut parler de Kalash ? Tu connais Kalash ? Oui, Kalash aussi, oui. C'est... Qu'est-ce que tu penses de lui, par exemple ? Ben, ils ont fait un choix, ils ont leur créneau, et je ne peux pas être à leur place. Hein. C'est sûr, mais... Oui, c'est-à-dire que là, ils plaisent à une nouvelle génération. Ils sont dans l'air du temps. Hein. Ils sont dans l'air du temps, ils sont, comme on dit en anglais, « up to date », you know. Mais pourquoi on ne pourrait pas penser, par exemple, une collaboration tripartite entre Funky avec les deux stars du moment? Il faut qu'ils viennent vers moi aussi. Hein, parce que moi, au niveau collaboration, j'aurais pu être demandeur, mais il m'était arrivé de demander et puis je n'ai pas de réponse. De retour, à partir de là, aujourd'hui, c'est à eux de venir vers moi. Par exemple, j'ai fait un duo avec Al Capote. C'est lui qui est venu vers moi avec son manager. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit « Ouais, on aimerait bien que tu poses. » Que tu participes, que tu collabores, donc j'ai fait le nécessaire. Et puis moi, j'ai pas de préférence, hein, je suis très ouvert. Hein. Voilà vrai. Quoi. Pas ou jaune, hein, c'est toujours ouvert. Pardon ? Pas ou jaune. Oui. Il dit je suis très ouvert. Oui. Donc ouvert. Oui. Moi, je dis ou jaune. Ah ouais, d'accord, bravo, quel talent. On va t'applaudir. Hein. Non, c'est pas grave. J'ai compris que c'était difficile, mais. Chacun son jeu de mots, hein, franchement. On essaye. Je sais que je n'approche pas la chose. J'ai tenté au moins. Excuse-moi, t'as pas le niveau de Frankie Vincent, quoi. J'ai tenté et je ne pouvais pas. Je suis mort avec l'amour. Ah, moi, je suis bon en jeu de mots. Et depuis croisé des gens qui étaient très forts, qui m'ont dit toi, depuis t'es pas dégueu. C'était comme ça depuis l'école ? Ah, j'ai toujours joué avec les mots depuis gamin. Mm-hmm. Oui, en créole comme en français. Ben oui. Ah, Frankie.
C'est quelque chose. Hein, là. Ah, je suis un numéro. Tu sais, je suis un numéro. Mais tu sais quel numéro? Quel numéro? Numéro 1. Ah oui. Tu as rencontré des gens qui sont venus te dire merci, Francky, parce que c'est sur ton titre, tel titre que tu as. Ah, mais j'entends ça tous les jours, ce genre de témoignage. Ah oui. Ça fait quoi? Et ça, c'est même anecdotique par moment, ouais. Ça fait quoi, ça? Eh bien, moi, ça me ravit au demeurant. Je me suis marié avec ma femme, c'était la musique du mariage, carrément, de l'ouverture. Il y a aussi... il y a un truc plus coquin, c'est-à-dire j'ai rencontré telle fille, on a fait le nécessaire après avoir écouté tes chansons. Mais oui. Tu comprends ça, que par exemple, il y a des gens qui meurent pour en voyant un artiste, ils perdent leurs moyens? Oui, je le vis assez souvent. Oui. Il y a des gens qui viennent vers moi et je sens qu'ils ne sont pas à l'aise aussi. Mais c'est une personne sur 10, même sur 100, on va dire. Ça veut dire qu'un titre que tu interprètes ne pourrait pas être interprété de la même manière par quelqu'un d'autre? Ah non, mais moi, je suis... Il y a des artistes comme ça, tu peux pas... Tu peux chanter Bob Marley comme tu veux, mais tu ne chanteras jamais Bob Marley comme Bob Marley. Tu ne chanteras jamais Michael Jackson comme Michael Jackson. Et tu peux être un chanteur émérite, très talentueux, et ne pas pouvoir chanter du Francky Vincent, parce que tu te dis, ça va me rabaisser si je chante ces chansons coquines, et ceci, cela. Mais je n'ai pas que des chansons coquines, j'ai des chansons qui sont très bien, comme Aka Maman, ou Nijivé, ou je ne sais pas, ou Don't Look Back, you know. Donc, par exemple, ma chanson en anglais, Don't Look Back, il y a Jacques Darbo qui me disait qu'il aimerait bien... Ça fait 20 ans qu'il me dit que j'aimerais bien réinterpréter cette chanson. Mais je sens qu'il a réfléchi, qu'il s'est dit, je chante mieux que Francky. J'ai une meilleure voix que Francky. Il est mieux que moi et tout ce que tu veux. Il a plus de métier que moi, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'arrivera jamais à chanter cette chanson, à l'interpréter comme je l'ai interprétée. Je reviens encore en disant, c'est pas un peu prétentieux, Francky, de penser qu'on est toujours numéro 1. Peut-être qu'à une époque, Francky a été le numéro 1, mais plus maintenant. Non, mais quand tu as 50 ans de carrière et que tu dis aux gens que tu as cette sensation d'être le meilleur artiste antillais de tous les temps, c'est pas un claquement de doigts. Il m'a fallu 50 ans pour être le meilleur. Donc, excuse-moi d'être le meilleur après 50 ans. Hein. Excuse-moi. Tu es tout excusé. Tu es tout excusé, il n'y a pas de souci. Francky, c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Ce fut un temps, maintenant je suis... Non. Il y a des moments de tristesse. Non, j'ai plus la force. J'ai plus la force de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Oui, d'accord. Donc voilà, mais je peux faire la fête pendant une heure, danser, boire un verre. Bon, je ne bois pas d'alcool vraiment, mais ça m'arrive de boire une coupe de champagne déjà. Je suis... voilà quoi. Ça arrive. J'ai envie de m'amuser, danser quoi. Ça arrive à Francky d'être... Mais ça dure deux heures au bas mot. Maximum, ouais. D'accord. Deux heures. Ce sont des petites choses, alors, de la vie. Ben oui. Alors, répondre à ma question. Ça arrive à Francky d'être triste? Oui, je suis très sensible. Je suis très sensible aussi. Hein. Je suis très sensible. Triste. Oui, ce qui m'attriste, c'est certains faits sur cette planète, quoi. Ouais. Ça m'attriste. Ouais. Et en tant qu'artiste, on ne peut rien faire? Tu sais, il y a des artistes qui ont fait We Are the World. Ouais. Ils ont amassé beaucoup d'argent par rapport à ça. Et puis, c'est de plus belle. C'était pour l'Afrique, ça, We Are the World. Hein. Ben, des We Are the World, il faut en faire tous les jours, en fin de compte. Ouais. Et être sûr que cet argent est bien distribué. Mais par exemple, est-ce qu'un artiste n'a pas, de par sa notoriété, le droit, un devoir, de presque de moralité, à aller transmettre la bonne parole, quoi? Mais il y a des artistes comme Bob Marley et tous ces gens-là. Mais tous, moi je ne peux pas. Moi, je suis l'amuseur public. Je suis la personne qui vend de la joie aux gens. Le fou du roi? Oui, oui. Et les gens, je me demande... Vous savez, j'ai eu un témoignage d'une dame qui m'a dit, quand je veux faire le ménage à fond chez moi, mais vraiment à fond, et que j'ai l'impression que je fais le ménage et que c'est un plaisir, je mets du Francky Vincent. Ça paraît un témoignage très terre à terre, mais en fin de compte, c'est des choses pour moi d'extraordinaire. Ça prouve que j'ai... Que tu apportes quelque chose. Oui, j'apporte quelque chose de très positif. Que tu transformes le monde à ta manière. Mais oui. Voilà. Au départ, elle n'avait pas envie de faire le ménage.
aimé mes chansons et fait le ménage. Et en plus, à fond. C'est et le mari qui est jaloux rentre, il dit, putain, mais le ménage, tu l'as fait à fond hein, aujourd'hui. Et elle dit à son mari, c'est en écoutant du Frankie Vincent, si le mari ne m'aime pas, elle cherche la merde. Il y a le mot, mais elle cherche la merde. Frankie, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Peut-être quelque chose à dire aux téléspectateurs avant de terminer. Mais je voudrais déjà dire aux Martiniquais, merci de m'avoir adopté. Merci d'apprécier énormément mon humour au quotidien. Et leur souhaiter, je sais qu'ils adorent faire l'amour, donc je ne peux que leur souhaiter une longue vie sexuelle. Merci pour ces mots. À bientôt et bon courage, François. Merci. C'est bon, c'est bien. C'est...